1, 2, 2, test de son, rig JQC, 1, 2, 1, 2, T. Hey, salut tout le monde, bienvenue chez rig JQC, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de RimWorld saison 3. Donc, la dernière fois que nous nous avions laissé, c'était le 7e jour de l'automne. Donc, pour vous empêcher de m'entendre dans une qualité de son plutôt moindre, dans les derniers épisodes, là, ben, le dernier que j'ai posté de RimWorld, le son du micro était un petit peu à chier. Donc, j'ai décidé de refaire les enregistrements. Malheureusement, on compte plus de deux épisodes là-dedans. Alors, on était le 7e, maintenant on est le 11e jour de l'automne. Je suis désolé pour ça, mais bon, quand même, on reprend. Il s'est pas passé grand-chose. Je crois qu'on avait déjà béni. Je vais aller vérifier ça, ce sera pas bien long. Donc, effectivement, on l'avait déjà béni. Alors, vous n'avez pas manqué grand-chose. J'ai essayé d'habiller nos colonistes avec des vêtements chauds, tout ça. Puis, on est rendu le 11e, comme j'ai dit. C'est pas encore l'hiver, c'est bientôt, c'est dans 6, 5 jours. Donc, c'est 15 jours par saison, si je me trompe pas. Alors, un petit cadeau en ouverture de cet épisode. On a Cass, juste ici, qui est un builder. Il vient d'arriver d'une capsule spatiale. Et puis, c'est le fils de The Craft. Donc, c'est très cool. Ça va être vraiment bien pour le bonheur de The Craft, tout ça. On va vérifier c'est quel genre de personnage. Donc, très bon en construction. Donc, ça va être notre premier si on est capable de le soigner, etc. Incapable d'intellectuel violent, crafting, cooking. Il est volatile, il est neurotique, et il est psychologically dull. Donc, les drones psychiques, tout ça. Il est à moins 50%, donc c'est très bien pour ça. On va l'utiliser, on va l'utiliser. Il peut faire quelques trucs quand même. Bon, donc je vais demander à Démonio d'aller le capturer. Donc, capture Cass pour qu'on puisse l'avoir dans notre tribu si possible. Dans notre tribu, dans notre colonie. Parce que c'est pas des tribus. Et non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nettoyer et hauler? Ça serait vraiment nice. Tiens. Le mouton va s'en occuper, après ça il va aller en recherche. Ça pourrait vraiment bien faire parce que là la prison, ça commence à être laid en ce moment. Donc Howl. Essayez de tout prendre ce qui est dans notre domaine. Ok, les chopwood. Ok, il y en a pas mal. Chop, 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 chop. C'est juste ça le problème qu'on a, c'est qu'on a trop de trucs dans les parages de notre base. Ça serait bien si on pourrait juste les fucking enlever, s'il vous plaît. À moins que je fasse des floors. Mais bon, je ferai ça plus tard. Je vais accélérer le temps. Notre sauvetage, juste ici, Démonio. Et The Craft, il continue de miner, c'est bien. Merci, bro. Tiens. Tiens, et comme ça, parfait. Oh, cargo pods, on va aller voir ça. C'est quoi? C'est de la laine de Megatherium. Good. Juste à l'ouest de notre base. Casque est capturé, parfait. Et casque qui est capable de marcher maintenant. Le crafter, il va aller. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, t'es allé jouer un petit peu. Pas longtemps. 2 secondes. Casse. Il y a une infection actuellement. Alors, je crois que The Craft est en train de s'en occuper. Merci, bro. Et on va essayer de la capturer. De le capturer, excusez. On va donner de la médecine. Voilà. Parfait. Et je vais y mettre le plein de cotes aussi. Tiens. Le mouton va s'occuper de clearer la place. Et pour la recherche, par contre, ça aurait été cool. Je vais enlever ça. Encore des break risks, c'est pas grave. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Plein de cotes. Ah, c'est beau ça. Parfait. Faire un petit peu de ménage. Alors, je vais construire des planchers de bois.
pour que ça aille un petit peu plus vite pour enlever les arbres, tout ça. Et on va pouvoir... nos personnages vont se déplacer plus vite également, là. Ce qui va être très bien. Alors, je le fasse ici également. Voilà. Et tiens ici. Comme ça. Parfait, merci guys. Good, ça va bien, ça va bien. J'aime ça. Et nos heaters sont faits. Je crois qu'il va juste manquer les toits par contre ici, ouais. Il y a juste les toits là. Il va falloir faire, je vais mettre ça à 23. À 23 ici également. On est outdoors, donc il est à moins 5 degrés. On pourra pas faire pousser des plantes tant aussi longtemps que ça sera pas roofé. Juste ici. Alors, pour faire des roofs, je vais être obligé de mettre des murs pour pas que ça nous tombe sur la tête. Je vais en mettre un ici. Un ici. Un ici. Et un autre ici. Et est-ce que The Craft, tu peux t'occuper de ça? Ça serait vraiment nice. Merci. Je vais faire les pylônes là, pour qu'on puisse construire le toit le plus rapidement possible. Oh, on a un Mental Berserk. Oh merde! Oh merde! Qui est en Mental Berserk, c'est Cass! Oh damn! Melee attack! Ok, on l'a assommé, c'est beau! Maintenant, capture! Désolé! Oh non! On va être déjà magané, waouh! Ok! Sauf que là, l'électricité, on va être en manque d'électricité par contre. Je vais undraft the craft par contre. Le mouton, est-ce que tu peux me faire ça ici? S'il te plaît! Le Mental Berserk est terminé, c'est parfait comme ça. Il y a beaucoup de sang. Whoops. Ok. Pour la toiture, je vais aller voir si la zone a été faite. Expand Roof, oui. Ça, c'est beau ici également. Ok. Donc, tout le monde est allé se coucher, sauf The Craft qui est en train de... qui est en train de soigner Stanton. Alors, voir ici. On est 91% et 51%. Et il fait très froid par exemple ici. Manque d'électricité, merde. Je vais construire un petit feu. Je vais lui demander de le faire. Pop. C'est dans température, je crois. On va faire un petit feu. On a de craft de le faire. On va faire un petit peu plus chaud. Tu peux me faire ça s'il te plaît? Ok, le bois est à l'autre bout. Merci beaucoup. On va en faire un autre. On va en faire un autre ici. Un autre ici. Un autre ici. Parce que là, l'électricité, on est vraiment dans la merde. Pour ça, en ce moment. Je vais peut-être en faire deux. Ici, comme ça. Juste en attendant, là. Parfait, les floors se construit. Good, c'est ce qu'on veut. Là, on veut vraiment voir que c'est sale, par exemple. Ça, au pire, je peux demander qu'on le mine. Et voilà. Les restrictions, est-ce qu'on est correct? Oui. Ça, j'ai arrangé ça un petit peu. Le mouton, je veux qu'il reste à la maison. Et Benny également. The Craft Demonio Caz, ils peuvent aller chasser tout ça. C'est beau, on va être correct. On a encore 1500 de viande. On n'a pas de légumes et fruits. Pour le moment, Severe Illness. Casse. C'est qui notre meilleur docteur? C'est The Craft. The Craft est en train de dormir, mais je vais quand même lui demander d'aller soigner. C'est-tu bien ça? Severe Illness? Infection extrême. Ah, malheureusement, je peux rien faire. Je peux pas le soigner. Je vais retourner voir si je peux le faire. Cleaning Blood, Feeding Casse. Bien. Nourris-le peut-être, ça va aider. Aucune idée, j'espère que oui. En termes de réseau électrique, est-ce qu'on est correct? Tout semble être branché. C'est branché comme ça. Peut-être faire une continuation des câbles comme ça. Ça soit encore mieux. Et voilà. Parfait. Casse, je vais aller voir. Extrême encore. J'espère qu'il meurra pas parce qu'on lui a donné de la médecine là. On en a plus. On en a plus, merde! L'eau médecine, j'espère. Cargo pods, on va aller voir ça. Oh, de la nourriture, cool. Combien? 13? C'est bon, on va prendre ça.
Je vais peut-être demander qu'on hunt. Ça commence à être dangereux d'aller loin comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs plus proches? C'est les putains de loups et de lynx, c'est tout ça que j'ai peur. On a encore des corps qui traînent ici. On a les tombes pour en plus. Major break, merde. Qui manque de vêtements là? J'allais voir ça. Par cas, c'est beau. Donc il nous manquerait 3 par cas. On va aller faire ça. 4. C'est qui notre Taylor? C'est démonio. Je vais y enlever le plein de code. Je vais le mettre à 3. Il devrait aller faire ça bientôt. Bon, on commence à avoir moins de débris dans notre base. J'aime ça. Et le mouton, qu'est-ce qu'il fait? Je vais voir ce qu'il fait, si ça fonctionne. Cutting moss, ok, c'est bon. T'es en train de nettoyer un petit peu, là. La recherche avancera pas, mais c'est pas grave. Je vais juste nettoyer pour le moment. La recherche avancera après. Pas de problème. Beaucoup d'alertes. Y'a pas de musique. Je vais aller arranger ça, ce sera pas bien long. Tiens, normalement, la musique va démarrer bientôt. Désolé pour ça, j'avais pas remarqué que j'avais enlevé la musique. Est-ce que j'ai fait trop de batterie, je me le demande. Peut-être pour ça qu'on n'est pas capable d'avoir de l'électricité. Je vais l'essayer. Ça, je suis pas au courant si ça a une incidence si on fait trop de batterie. Continuer ça ici. Perfecto. Ici il fait chaud, ici il fait froid par contre. Manque d'électricité. Je vais les éteindre pour le moment. Ces deux-là. Ça ne nous sert à rien. Et voilà. Merci. On perd de l'électricité pour rien. Et ces lampes-là également. Ça ne me sert à rien qu'ils soient allumés. Merci. Oh, man animal, c'est quoi? Un elk, y a pas de danger, y a pas de danger. C'est celui-ci? Moving Manhunter. Parfait. Chassé. Sûrement quelqu'un qui va s'en occuper. On va vérifier ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe? Oui, démonio. Et sur le cas, je crois. On va le draft. Let's go, bro! Oh, damn. Merde. Continue à tirer dessus. Démonio ira sailer après. À moins que Cass peut aller l'aider un peu. Accélérer le temps. Je peux pas. Ah, parfait. Good. Merci. Cass peut retourner vers tes occupations. Et t'es retailé juste après. Come on. Et voilà. Tu peux aller tailer maintenant. Et on n'a plus de médecine, malheureusement. Ok, ok. Pour la cuisine. Tiens. Parfait. Les bills ici, cook simple meal, c'est beau. Et c'est commencé pour le cooking. On va essayer de pas manger trop de viande crue, c'est mauvais. Est-ce quelqu'un qui peut s'occuper de démonio, s'il vous plaît? Ah, les batteries semblent charger un petit peu plus là. Je sais pas si c'est moi qui rêve. Mais bon, on va tester le tout. Il y a juste ça ici qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il manque de... Ah, bloqué! Merde, c'est bloqué. Alors je vais mettre... Comme la dernière fois, je vais mettre des growing zones. Alors, on va faire ça. Et encore une fois ici. Pour maintenir le fait qu'il faut pas qu'il y ait d'arbres ici.
Alors, je vais faire ça. Je vais demander qu'on coupe le bois. Qu'on cut plants finalement. Ça va aller plus vite comme ça. Merci. Parfait. Les break risk. Arrêtez de me faire chier avec vos break risk. C'est qui? Le mouton? Le mouton, ça doit être à cause encore de. Du fait qu'il a perdu sa femme. Ouais, c'est encore ça. Moins 16, waouh, hein, quand même. H-Raw Food, ça va se régler. On va être capable de le régler, ça va être cool. Et puis, je vais. Lui laisser un petit 2 heures de joy. Je vais leur donner tout un petit 2 heures de joy. Comme ça. C'est bon ça? Tout le monde peut manger de la bonne nourriture? Ok. Et puis nos planchers sont en train de se faire. Cool. On va howl ça également. Et encore une autre alerte. On a un raid, mesdames et messieurs. On va aller voir ça. Juste en haut ici. Donc on a deux personnes avec des fusils automatiques. David et Lady. Du Suffering Pack. Ok. Est-ce qu'ils attaquent maintenant? On va vérifier ça. Oui, ils attaquent maintenant. Alors, je vais préparer le tout. Donc, le mouton. On va pouvoir aller. Tiens, ici. Case. Ça m'a demandé d'aller ici. The Craft. En attendant, tu peux aller ici. Et Demonio. Je vais te mettre ici. Allez-y, guys. On se prépare. Ça arrive. Bon, tu passes par le petit. Ok, il n'y a pas de passage ici finalement. Ils sont obligés de faire le tour, donc ils vont encore passer comme ça. Je vais vérifier quelle approche ils vont faire. Ok, on en a une qui s'en va par là. Alors, The Crab va pouvoir la shooter. À moins que je mette Démonio ici. Et je vais demander à Kaz d'aller. Derrière ici, peut-être. Ça serait mieux. Ouais, je pense que ça va le faire, ça. Let's go fight! On va accélérer un petit peu. Déjà, David qui se fait shotter. Nice shot, guys. Je crois que ça va être assez facile comme attaque. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Yes! Et c'est réussi! As always! Et je vais pouvoir prendre le fusil automatique, cool! On a The Craft et Kaz d'aller l'attaquer en mêlée. Il marche vraiment plus vite. Melee attack! Melee attack! Let's go, boys! Et vous autres, vous pouvez retourner à vos occupations, à moins que je donne au mou... Peut-être au mouton... Ouais, je vais y donner le fusil ici, tiens. Oh... Bon, on s'est pas rendu, c'est pas grave. Je vais essayer de la capturer, mais c'est raté. Oh! Des cargo pods! C'est... Oh! Cool, 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 du cuir de... d'émeu. C'est bien. Parfait! Bon, sont retournés se coucher, c'est ça qu'on veut. Et le strip ici. Le strip ici également. Voilà. On a beaucoup de weapons. J'aime vraiment que j'aie quelqu'un qui howl. Le mouton, on pourrait le faire. Bientôt. Escape pods! Nice! Une autre personne de plus. Ed! On a des nouveaux cargo pods en plus. Ah non, c'est les mêmes. Désolé. Ed qui est juste à côté de notre base, qui vient d'atterrir. Par contre, va nous falloir un lit de supplémentaire. Est-ce que ce lit-là est pris? Non. Alors, je vais prendre ce lit. On va le réinstaller dans la prison. Je vais demander à The Craft de faire ça. Non, pas cleaning dirt. Non. Je veux que tu installes le lit. Tiens. Vas-y, Joe. Vas-y, vas-y, vas-y. Et ensuite, tu vas aller capturer. Aide juste ici. Capture. On a de la médecine ici. C'est bon? Parfait.
Nice job. Je vais faire un autre lit médicinal. Et je vais aller vérifier. Qu'est-ce que de l'air, notre aide en social? Il est à moins 5 avec Cass. C'est bon. Donc, on n'a pas de relation personnelle avec lui. Il n'y a personne qui le connaît. On va vérifier son health. Semble pas y manquer de membres, mais il est très, très, très blessé. J'allais voir son caractère. Il peut tout faire, sauf le dumb labor, donc ramasser les trucs et nettoyer. Très bon en mining, très bon en recherche. Et son gear, il n'y a rien pour l'instant. Est-ce qu'il est nu? Je crois qu'il est nu, malheureusement. Alors, on va essayer de le capturer. Prisoner. On va lui donner la médecine. Et on va faire chat and recruit. Et je crois qu'on va libérer Stanton. Parce que ça ne nous sert plus à rien de l'avoir. Il est trop difficile à avoir. Parfait. Comme ça. Je vais vous faire plaisir, je vais faire un petit 10 minutes de plus comparé à mes autres épisodes. Je vais faire ça une demi-heure environ. Vu que j'ai un peu scrappé 4 jours de notre playthrough à cause de mon micro. Alors, normalement ça devrait bien sonner maintenant. Mieux que la dernière fois en tout cas. Ok, Démonio est en train de relaxer socialement, je crois. Ouais. Parfait. J'aimerais ça vraiment avoir quelqu'un sur le nettoyage, le ramassage, le truc. C'est vraiment nice. Pour l'instant, j'ai personne. Je pourrais le faire, c'est juste que je perds le fait qu'ils peuvent faire autre chose. C'est ça qui est un petit peu poche. Le Taylor, c'est démonio. Je vais le retirer de... Je vais le retirer de cooking, je vais le mettre à 3. Ça c'est beau. Je vais le retirer de Smith, de Plain Cut, de Mine, de Grow, de Repair, de Construct et de Hunt pour le moment. Et je veux qu'il aille faire vraiment les vêtements. Alors, on va faire deux trucs de plus, deux shirts, deux jackets, deux pants. Même trois, tiens. Si on est capable, ça serait vraiment nice. T'es en train de miner encore. Parfait, on va avoir encore plus de métal. Nos batteries sont pleines, c'est cool. Il manque de bois ici. Merci d'aller le fuel, s'il te plaît. Vraiment nice. Parfait. Le panneau solaire fonctionne plus. Peut-être que je fasse un autre fuel generator. Je dirais qu'il y a miné par contre les components. J'en ai vu là ici. Dans ce coin là. Il y en a ici. Il y en a ici. On va sûrement y aller. Oh, l'hiver vient de commencer par contre. Winter has begun juste en haut à gauche. Il y en a beaucoup ici. Si le craft, tu pourrais aller faire ça serait vraiment nice. Juste éliminer les components. Là, il va aller nourrir par contre, c'est bon. T'es en train d'essayer de la recruter, c'est raté. On a encore des beavers, par exemple, qui viennent d'arriver. Ils sont combien? Oh, ils sont beaucoup. On va hunt. Et mental break, confusion. C'est Ed? Est-ce que c'est Ed? J'ai même pas remarqué où c'est Cass. Ah, c'est Cass qui est en mental break. Mais on a des très bonnes relations avec. C'est cool ça. Très bonne relation avec Ed également. Nice, nice. J'aime ça. Si on est capable de les recruter, ça va être parfait. Pour la nourriture, on est à 18. Ça, c'est bon. On va être bien pour un petit moment. Quand Craft va avoir terminé d'essayer de recruter, je vais lui demander d'aller chercher la médecine. Merci, bro. On est en train de manger nos arbres, les fous! Demonio, qu'est-ce que tu fais? Making tuck. Ah, il va chercher la laine. Cool. Attention, pas te faire attaquer par le loup arctique, par exemple, je crois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on a le loup qui vient de tuer un boar.
Peut-être le récupérer. Ah non, ça me sert à rien de toute façon. J'ai des beavers à n'en plus finir. Je vais canceller ça. Je vais dire de pas le prendre. On a encore beaucoup de corps ici. Je vais voir ce que Benny fait. Going for a walk. Ok. Il est en train de construire les planchers de bois, c'est bien. Ok. Il manque encore de toit. Ça, c'est à cause qu'il nous manque des murs. Alors, je vais faire des murs comme ça. Ça, c'est bon. Ça, il y a un mur ici. Je vais en faire un autre ici. C'est bien comme ça. Je crois que ça devrait le faire. Ouais, ok. Let's go. Notre turbine, ça serait vraiment cool. Oh, il y a un petit bonhomme de neige. Nice. Snowman. A set of large snowballs piled and shaped to resemble a person. Donc, une panoplie de mottes de neige, de balles de neige, de boules de neige rassemblées pour ressembler à une personne. C'est nice. T'es en train de faire les planchers ici. Est-ce qu'il fait froid ou c'est juste la couleur de notre ancien roof, hein? Ouais. J'imagine que les roofs vont se faire par la suite. Donc, Kaz qui s'en va chasser avec Winthrop, son chien, le meilleur ami de l'homme. De Kaz, sûrement. Parfait, on a eu le t-shirt. Yes, ça va bien, ça va bien. Et je vais finir cette journée. Et ça va être la fin de cet épisode. C'est actuellement 21h dans le jeu. Je crois qu'on va être bon pour faire une autre batterie. Les cartes sont remplies. À fond. Oh, notre turbine fonctionne. Non, encore bloqué par un pine tree. Ça va être fait bientôt, j'imagine. Alors, et voilà, c'est la nuit. On a que The Craft qui est en train de recruter Ed. On va aller voir. On va voir juste ça avant qu'on se laisse, si ça fonctionne. On va mettre sa vitesse normale. The Craft, qui s'y met? Ed, qui écoute The Craft, qui écoute The Craft encore, et est-ce qu'il va accepter? Attention, comment The Craft, dis que tu vas lui donner de la bière puis tout ça là, la grosse orquille, je pense qu'il aime ça. Ah, Edder. Ah, il a pas voulu. Bon. Mais coudonc. Alors sur ce, ça va être la fin de cet épisode de RimWorld de saison 3 avec Rick JQC. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire le petit bouton j'aime, vous abonner si c'est pas fait. Me suivre sur Twitter, faire le petit j'aime sur Facebook, ça serait vraiment apprécié. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.